Il n'y a rien d'intéressant. Ouais, c'est clair. Ouah, regarde! Je crois que j'ai trouvé un truc. Waouh! Tu vois ce que je vois? Construire sa propre maison? C'est un jeu d'enfant, ça. Oui! On va construire notre propre petite maison. Regarde ce que j'ai là. J'ai aussi trouvé quelque chose d'utile. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit où construire notre maison. C'est parti! Peut-être qu'on pourrait construire notre cabane dans la cuisine. Mais il y a un truc qui me gêne. Et si on faisait notre maison dans la chambre? Non, ça va pas non plus. Waouh, c'est un endroit de rêve ici. C'est clair. La pluie. Oh non. Faut qu'on file. Suis-moi. Oh zut. Cette pluie a gâché tous nos plans. Je crois qu'on va devoir attendre que la pluie passe avant de pouvoir construire quoi que ce soit. Attends, notre lit. C'est un super endroit pour y construire notre maison. En plus, il y aura un étage. Une maison dans notre chambre d'enfant. Je peux déjà imaginer à quoi elle va ressembler. On va déjà commencer par dessiner un plan. Voilà, c'est fait. Maintenant, toutes nos idées sont sur papier. Parfait. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Nickel. C'est parti. Va falloir changer 2-3 choses ici. Oh non, c'était pas la bonne vis. Tout va tomber. Le lit va s'effondrer. Sou, remets la vis. Détends-toi. C'est fait. C'est bon? Oh, j'ai eu tellement peur. Allez, amène ça ici. Voilà. C'est bon. Lâche ça, je le tiens. Faut juste qu'on enlève le matelas. Allez, on y va. On n'a pas besoin de ça. On va aussi les enlever. Sou, t'es où? Hey, je suis là, coucou. Faut qu'on ajoute un plancher. Évidemment. Me voilà. Oh, super. Fais attention, c'est un peu lourd. Super. Une première chose de faite. Maintenant, on va prendre des mesures. Voilà. Va falloir qu'on renforce le cadre du lit. Jeanne, les matériaux de construction sont prêts. On peut se mettre au travail. Voilà, l'étage est un peu plus haut maintenant. Super. Donne-moi ça. On va devoir grimper jusque là-haut. Non, je suis trop petite. Attends une seconde. Je vais te donner un coup de main. Monte sur mon dos. Oh là là, t'es plus lourd que je le pensais. Wow. Sou, s'il te plaît, bouge pas trop. Oh non. Au secours. Ça fait mal. On a besoin d'une échelle. Je crois savoir où on peut en trouver. Hey, qu'est-ce qui se passe? La voilà. Tu penses quoi de cette échelle? Waouh, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On va la tester. Nickel. Donne-moi l'autre moitié. Oh, super. L'essentiel, c'est de bien visser la structure. Tiens, maintenant à toi. C'est bon. On a fait un excellent travail. C'est clair. Maintenant, on va s'occuper du mur du fond. On doit tout mesurer. Et on va passer au toit. Ouais, t'as raison. On va avoir besoin de planches pour ça. Allez, ça va le faire. Je peux y arriver. Oh, c'est super facile. Ça me plaît déjà. Allez, dépêche, t'attends. C'est parfait, ça rend tout pile. On dirait que bientôt, on aura un vrai toit. Et oublie pas les murs. Génial! Tu fais du super boulot. Je peux avoir ce truc? Allez, allez, on se motive! Super, on a trop géré. Coucou, Sou! Ouais, c'est trop stylé! Je pense qu'on devrait ajouter de la couleur. Ouais, t'as raison. C'est ce que je comptais faire aussi. Du jaune poussin, c'est un excellent choix. Quelle belle couleur vive! Ça rend vraiment bien. Ça te plaît, Sou?
Carrément. Et ce rose pastel est trop mimi. On a presque terminé. C'est vraiment trop joli. C'est clair, j'adore. On va faire un intérieur cosy maintenant. La première étape, ça consiste à décorer les murs avec du papier peint et d'ajouter des tissus doux. Le résultat va être super. Waouh, j'adore ces nuances pastel. Mais il manque quelque chose. Je sais, des fleurs. Cette boîte fera un bac à fleurs. Il y a juste à la scier. Je vais m'occuper de la peinture, moi. Terminé. C'est génial, j'adore. On va fixer les bacs aux fenêtres. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter des plantes dedans. Génial! J'adore ces fleurs! D'ailleurs, Jeanne, ça te dirait qu'on fasse une petite séance photo? Souris! Attends! Faut que toute la maison entre dans le cadre. C'est bon, je suis prête! Allez, pose! Et maintenant, comme ça. Alors, ça donne quoi? Voyons voir. Waouh, j'y crois pas! Qu'est-ce qui se passe? J'ai été acceptée à la fac! Sérieux? Montre! Félicitations! Oh, wow. Attends, mais... Et moi alors? Et notre maison? Tu vas nous quitter? Je suis désolée, mais je suis obligée d'y aller. Je viendrai te rendre visite. Bon, bah, je peux rien y faire de toute façon. Je vais devoir vivre seule dans la cabane. Yeah. Ça manque de lumière. J'en ai besoin. Et une bande de LED, c'est le meilleur remède pour pas se retrouver dans le noir. On va continuer. Et passer à la partie amusante. Découpe du rembourrage en forme de beau nuage. Waouh, on dirait un vrai. C'est un ciel de conte de fées. Je vais ajouter davantage de déco. Ça, c'est pas mal. Et toi, la licorne, tu vas aller ici. Des oreillers mignons et des objets cosy. Oh, waouh, c'est vraiment la maison de mes rêves. Oh, waouh. Mais attends, il y a un truc qui cloche. Voilà, c'est ici que je pourrais me reposer. Et je vais accrocher d'autres guirlandes. Waouh, j'adore comme elles scintillent. Bien. Waouh, cette bassine va m'être utile. Désolée, mais j'ai pas le choix. Je vais scier un morceau et coller une plus petite bassine en dessous. Super. Ça va faire une super chaise. Je colle du tissu doux dessus. Et à la place du siège, je vais mettre un coussin douillet. Oh, c'est trop mignon! Et en plus, c'est vraiment confortable. Ouais, j'ai une maison, mais j'ai pas d'amis. Mais bien sûr! Je vais organiser une fête. Comme ça, je vais rassembler tout le monde. On va bien s'amuser. Je vais envoyer les invitations. Plus il y a de gens, plus ce sera fun. Ok, maintenant, il n'y a plus qu'à les attendre. La fête est dans 2 heures. Pas de temps à perdre. Ce cadre fera un super jeu. On va commencer par scotcher du papier vert au fond. Ce sera le terrain. Place des coins en papier mousse dans les angles. Et une barre transversale avec un trou au milieu. Maintenant, prends 2 élastiques. Étire-les et fixe-les à l'aide de pince-notes. Coupe le fond de plusieurs gobelets en papier. Et voilà! On a des palets placés sur le terrain. Waouh, ça va être super amusant. Ce sera une bonne surprise. Et maintenant, les desserts. Ça c'est de beaux gâteaux. Les invités vont adorer. Les voilà, il est temps de les accueillir. Génial, ta maison est trop bien. J'ai vraiment pas quoi dire. Je veux trop la visiter. C'est vraiment dingue, j'adore les fleurs. Incroyable. C'est l'heure du goûter. Servez-vous, les copains. Ça a l'air trop bon. C'est délicieux, je me régale. Je les ai faits moi-même. Vraiment? T'es vraiment douée. Bon, allez, il est temps de s'amuser. J'ai préparé une surprise. J'ai fait un terrain de hockey. Ouais, allez, Lily! Maëve, je compte sur toi. J'y arrive pas!
Hourra, on a gagné! Ouais! C'était une super partie. Et maintenant, on va prendre une photo. Super! Hey, je suis là! Je peux avoir des bonbons, moi aussi? Souriez et faites coucou! Tchiii!